Message numéro 86. De façon constante, le maître dit soyez agressif. Soyez agressif vis-à-vis de la connaissance. Et si vous n'êtes pas agressif, vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez. Alors donc, c'est comme ça que les étudiants ont fini par comprendre que le livre de l'ISEP est une puissance que nous devons même utiliser pour nous guérir. Et il suffit que le frère qui a mal à la jambe droite ou gauche ou aux hanches et tout, mais que le matin, le midi et le soir, qu'il ait le CD et il va jouer ça. Et il fait l'effort de faire les mouvements de cercle avec ses pieds qui font mal. Mais on va le dégager de là. Les douleurs vont partir. Puisque tu as l'obligation de retrouver la joie dans tes membres. Et tu auras réglé ça avec 1000 francs. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Et je prends le cas du frère qui m'a parlé de son fils. Le dernier message est venu à mon téléphone à 14h25. Et moi j'ai dit du calme. L'ordre sera rétabli. C'est fini, j'ai déjà donné l'ordre. Et à l'instant où j'ai parlé, j'ai demandé juste à deux frères qui étaient avec moi, écoutez, vous dégagez de là, allez me régler ça à propos. Et puis c'est en une minute. Et puis on a continué le chemin. Je n'ai pas besoin de descendre pour ça. Pour dire, chauffeur, arrête, je vais faire. Non, on n'a pas besoin. Alors dès que j'ai fini, lui, l'ordre sera rétabli à 14h29. Donc une minute après, il me dit, merci bien aimé frère maître. Et à 15h52, parce que moi j'ai fini, à 15h52, il m'écrit, je viens de l'appeler, il est à la maison et ça va. Alors donc ici, moi j'ai dit, cherche un œuf de poule local. On fait un exercice à distance. Alors donc mon frère devrait pouvoir me demander après, mais maître, l'œuf là, ça a servi à quoi? Puisque lui il est resté chez lui, je suppose. Et moi je suis resté après Tchao et on était en train d'interagir. Moi j'ai dit, bon, dis à ton fils de faire ça. Lui il va dire, mais dans les toutes premières minutes, nous on avait déjà fini. On est passé maintenant du non-physique au physique pour qu'on enterre effectivement cette histoire-là. Donc c'est ce mouvement. Et j'ai dit, c'est à 20h que l'opération, en fait, la dernière opération aura lieu. Et après, effectivement, je lui ai dit, quand on a fini, je lui ai dit, incident clos. Et j'ai souvent dit aux étudiants, ne pensez même pas, quand vous m'appelez ou vous m'envoyez un message et je ne réponds pas, ne pensez pas que je n'ai pas répondu. Je réponds. Parce que la configuration est telle que, si c'est moi qui dois faire le travail, même si je n'ai pas dit oui, allô, ou si vous envoyez le message et je ne vous réponds pas, ne pensez pas que je ne me suis pas mis au travail. Ça, c'est une obligation pour moi. Parce que c'est le serment que moi j'ai prêté ça. Atténuer les souffrances des autres. C'était Maître Maoyon Justin Dombaoulé, sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Dans son message numéro 86 aux hommes et femmes qui peuplent la Terre.